t'ai coupé la route. Eh bien salut à tous les amis, c'est Tonton Bertie, on se retrouve pour une petite vidéo avec mon pote Mikos. Ça va Mikos? Ça va et toi? Alors on est en pleine partie de Rocket League là, 2-0 pour nous, 2 minutes 50 encore à tenir. Ça faisait longtemps que je voulais vous faire une petite vidéo sur Rocket League, comme je l'ai enfin acheté. Eh bien j'avais profité des soldes de fin d'année là, il était pas trop cher, 13 balles on l'a vu Mikos, c'est ça? Ouais c'est ça ouais. Je crois qu'il est repassé à 20 balles, enfin bref. Voilà on vous fait une petite vidéo, on commence à avoir un certain niveau, oh, n'est-ce pas? Oh, on n'est pas encore super fort mais on se débrouille un peu mieux quand même. Hop là. Eh, oh putain de bâtard. Alors si vous m'entendez dire des gros mots de excusez-moi. Je suis pas un rageux mais effectivement dans ce jeu là, bizarrement. On s'est bien facilement. Ça sort tout seul. On dégage. Oh. Allez, on va essayer de. Celle-là. Vas-y, en cage. Ok. J'ai du bouge, je recentre. Oh dommage, il a touché avant moi. Bon Rocket League, que vous dire, pas grand chose, vous connaissez tous, mais ouais c'est un bon petit jeu bien nerveux, bien type arcade moi je trouve. Et on passe des très bons moments. Franchement, moi je sais que je suis pas du tout jeu de foot et pas du tout jeu de voiture. Par contre beaucoup plus jeu de voiture, comme vous connaissez, mais foot du tout. Et là je prends vraiment des petites sensations. Je vois bien quand je passe des soirées avec des potes qui aiment le foot et qui regardent un match, bah, c'est un peu pareil, j'ai les mêmes réactions à la con que eux. Ouais, la tension qui monte et tout auprès des cages. Je suis tendu sur la manette, quand je tire, je vais limite si je me mets pas debout. Enfin, c'est terrible, il y a vraiment des bonnes sensations dans ce petit jeu. Ouais, c'est vrai qu'on ressent pas mal. Ouais. Oh oui, Mikos, ouais. Et 2-3. Petit 3-0, bon bah vous arrivez, j'ai lancé la vidéo au bon moment. Hein. On va refaire une deuxième partie. Dans cette vidéo, un deuxième match, on verra si on a autant chance. Pour l'instant 3-0, il reste 1 minute 13 a priori, c'est presque gagné. Quoique Mikos. Non on part pas trop gagnant non plus parce que moi tout à l'heure là j'ai. Ouh bah voilà, hop. Ah bah là, le coup de la chance. Voilà, c'est vraiment de la malchance là. Moi tout à l'heure j'ai réussi à remonter, j'avais 1 à 6, j'avais complètement foiré le début du match, il restait 1 minute et je suis remonté, j'ai sauvegardé le replay tellement j'y croyais. T'as pas. T'as gagné quoi. 1 à 7. Hop, tu me le montres. À 8. À 8, ouais carrément. Ouais ouais non il y a vraiment eu de très gros retournements donc je te laisse y aller là Mikos. Là quand on est deux, toujours laisser un dans les buts. Le premier il va, bon là je vais essayer quand même de la choper. Hop là, oh putain. Dommage, dommage, j'étais mal, j'étais mal. S'il y en a qui veulent me rejoindre sur Rocket League, n'hésitez pas, si vous l'avez déjà, je sais que nombreux sont ceux qui le possèdent. Ouh c'était joli ça mais dommage. Si vous voulez qu'on se fasse des petites parties, nous on s'est inscrit à l'ESL. Hop, ouais, oh dommage. On s'est inscrit à l'ESL pour faire des petits matchs amical pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Cool. On n'a pas encore commencé. Oh dommage. Oh, dommage, 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 dommage. Alors nous ce qu'on aime bien c'est jouer en 3 versus 3, mais souvent on joue à 2 comme ça. Moi j'aime bien. Ouh, j'aime elle y va. Ouais. Et de 4. Moi j'aime beaucoup à 2, mais souvent on joue en 3v3. C'est pas mal, après 4v4 ça fait un peu trop quand même je trouve. Étant donné qu'il y a des boosts à ramasser sur le terrain, tout ça, on en ramasse pas beaucoup, on en a pas beaucoup. 4v4 c'est assez le bordel hein. Il aurait fallu agrandir un peu le terrain. 3v3 c'est bien, 2v2 c'est pas très bien. Putain j'ai merdé. Allez Nikos. Oui. Attention ça arrive. Hop là. Au pire on a plus grand chose à craindre là, il reste 15 secondes. En plus, c'est un petit jeu qu'on peut prendre, on peut prendre facilement en main, je trouve. Oh là là. Cadeau, allez, cadeau. Ouais. C'est pour vous montrer comment que les adversaires peuvent aussi marquer des buts. Que le jeu n'est pas bugué. Non bah là on fait n'importe quoi. Bon on se repose un peu sur nos lauriers. J'avoue que là, bon bah on joue un petit peu plus détendu. Il reste 4 secondes. Là, ça continue tant que la balle n'a pas touché le sol et là c'est mort. Alors des fois on peut faire des petits des lobes comme ça pendant 10-15 secondes, c'est marrant. Bon je pense qu'ils vont rester. Allez, mettez. Ah non, ils vont partir. Ils vont vouloir la revanche, non. Bon mais on va voir sur qui on va tomber, peut-être des plus forts ou peut-être des moins forts. Allez, un deuxième petit match. Là, c'est des entraînements en attendant. Voilà, c'est la petite salle d'attente là. Donc graphiquement c'est toute beauté franchement, vous l'aurez remarqué. Ouais, ils ont encore amélioré le jeu franchement, avec une bonne carte graphique on voit la différence quoi. Bah, vous voyez.
voyez, je vais vous envoyer la vidéo en 1080p 60fps, normalement vous verrez plus ou moins, bon ça sera pas tout à fait pareil mais vous verrez que c'est ça sera assez correct quand même. Alors là je pense qu'on est avec une équipe. Il y a plusieurs maps qui sont sympas, ils ont ajouté des maps. Ils ont ajouté un mode de jeu aussi, ouais, c'est ce que j'ai vu qu'ils allaient le laisser, c'est le mode snow. En fait on joue avec un palais, hein, genre de hockey sur glace. Ouais. Et ça devait être que pour Noël et finalement comme ça a bien plu, ils ont dit qu'ils allaient le laisser. Oh oui, Nikos. Ouais, ah, j'ai vu que ça avait pas bougé. Le coup qui tue. En général, il tente ça. C'est rare, mais ça peut très bien marcher. Les mecs, ils étaient pas partis aussi là, regarde. Ouais, c'est pour ça. Il a essayé de sauter. Si l'autre était parti, ça l'aurait pas fait. Je pense que deuxième, il a dû merder. Ouais, il est à 168 de ping là. Il lag. Je pense qu'il va pas bouger non plus là. Ah si. Allez, il est super. J'adore les éclairages là dans la nuit. Oh. On recule un peu. J'avoue que tout ce qui est effet de lumière et tout, reflet, c'est vraiment... Ouais. Ils ont beaucoup, beaucoup amélioré. Les dernières updates, ils ont encore amélioré. Hop, c'est beau, pas ça. C'est de plus en plus beau. Alors, Mikos, il m'a fait un petit plaisir. Il nous a fait un petit plaisir. Il nous a offert le DLC Chaos. C'est ça, hein, c'est Chaos. Ouais, il y a deux trois DLC, en fait. Il y a le DLC Retour vers le futur, avec la DeLorean, etc. Nous on a le DLC Chaos, ça rajoute des espèces de voitures un peu à la Mad Max. Bah je crois que c'est celle qu'on a du coup. Enfin moi je l'ai. Elle est pas mal. Franchement elle est pas mal. Les DLC sont vraiment pas chers. Lequel... Par contre ça rajoute vraiment que... Oula. Ça rajoute vraiment que... Vas-y, vas-y. Oh mince, trop à droite. Allez, un petit centre. Je la retente. Dimikos. Oui, oh dommage. C'est pas grave. Oh, je l'ai par derrière. Retourner, j'ai raté mon retourné, bordel. Ah. Ouais, c'était trop derrière. Enfin, trop devant par rapport. Bon, un petit. Oui. Ah, il va là, non. Putain. Oh putain. Et là. Je suis plus là. Oh là 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 là, les occasions qu'on rate. Je centre. Hop. Je suis plus là. Je sais pas si t'es là. J'ai. Ah, il remonte. Vas-y bien. Ouh. On leur met la pression, là, on leur met la pression, les coups. Ah, ils ont la pression. Je... Ah non, je centre pas. Hop là. Je te centre. Hop. Ouh. Oh, délire. Ouais là on sent que je suis bien nerveux hein. Et... Oh mince merde bordel. Ah ouais, j'ai failli aussi. Ah partout, balle au centre. En plus c'est pas pour faire la pub à Rocket League mais si vous l'achetez ça c'est un jeu qui va être joué je pense pendant jusqu'à ce qu'ils en sortent un prochain quoi. Ça va être joué des années ça je pense. D'ailleurs il est déjà, ça ne trompe pas, hein, il est déjà, ça fait 5-6 mois qu'il est sorti, puis cet été, et il est déjà en Electronic Sporting. Ouh. 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 Il est déjà à l'ESL donc il côtoie les plus grands. Il côtoie les plus grands, on est organisé Counter-Strike. Donc c'est rare même qu'un jeu soit si rapidement introduit dans l'ESL. Ah mais il lag aussi, hein, faut dire... Comment ça il lag? 228 de ping, le pauvre. Ah ouais, je parle de nos adversaires. J'étais encore dans le jeu. Hop. Hop. Oh merde. Alors là, vous voyez, typiquement, c'est une balle que j'aurais pu mettre facilement. Sauf que j'ai pas bien visé en plein milieu de la calandre. Enfin, de la calandre. Ouh. Enfin, j'ai pas visé droit, quoi. Ouh. Merde, ouh. Je sais pas qui est dans le bon. Oh, je l'ai touché. Oh, j'ai raté, putain. Bah alors là, c'était mérité. Ouais. Tant mieux pour la vidéo, ça met un petit peu plus de pression. 2-2. Parce qu'on a envie de gagner la moitié du match. Donc pour ceux qui n'ont pas remarqué, c'est des matchs de 5 minutes. Plein de matchs de 5 minutes. Je sais même pas si on peut changer le temps. Moi j'ai toujours fait des matchs. Dans la version solo on peut. Donc quand on joue tout seul, on peut régler. Il y a, bah, d'ailleurs, depuis la dernière match, il y a vraiment eu beaucoup d'améliorations là-dessus. On peut régler le temps, la gravité, la balle. C'est pas mal. J'ai vu qu'il y avait un mode, ouais, un mode volleyball. Ouais, j'ai vu plusieurs vidéos sur YouTube. Oui, on peut régler la gravité et tout, ce qui fait qu'on peut faire des trucs assez rigolos. Ouais, c'est pas mal. Tiens, je vais l'essayer après d'ailleurs. Hop. Régler le temps, mettre en limité. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Sur Rocket League, il y en a beaucoup qui aiment. Puis c'est surtout pour savoir qui d'entre vous a envie de le rejoindre. Ouh, dégage là. Ouh. Ah non, c'est moi qui... Ouh. Passe, moi j'ai des logs, hein. J'ai
Ouais, j'en ai un aussi, mais je crois que c'est lui. Pour moi, j'ai dégagé la balle. D'accord, j'ai pas du tout l'image que j'ai. Ah non, j'ai pas ça du tout non plus. Ouais. Moi, je suis passé derrière. Pour moi, il avait loupé, donc. Pour ceux qui regardent la vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est rare. Mais là, effectivement, vous avez assisté à un bug. Tu le verras sur ma vidéo quand je la posterai, Mikos. Moi, je vois, je pars en fait le mec et après je vois machin marqué. Ah non, mais pareil, j'ai eu le même souci, donc c'est la première. C'est la première fois à la limite que j'ai ça. Bah pareil. Encore quand c'est moi qui lag, je comprends, mais quand c'est quelqu'un d'autre, c'est la première fois. Bon, c'est pas en notre faveur, donc il va falloir remédier à ça. Oh merde, putain. Oui, on y va. Ouh. Bien joué, Mikos. Et il m'a explosé. Hein. Regarde ça. Heureusement, j'ai eu le temps de la toucher avant. Tiens, on va pouvoir parler, bien joué Mikos, on va pouvoir parler de Street Gear un petit peu pour ceux qui regardent la vidéo et puis qui veulent des nouvelles de Street Gear. Donc bah ça continue à avancer tranquillos, ne vous inquiétez pas. On prend un peu de retard de temps en temps parce que... Bah parce qu'il y a eu les fêtes, parce que, oui, les vacances... Parce que, aussi, il y a des petits problèmes techniques. À un moment on croyait qu'on était vraiment proche du but et finalement il y a des petits problèmes techniques pour l'online, mais ça va être vite réglé. Toujours est-il que ça avance, toujours. Pour l'instant on est toujours bien confiant. Voilà, revenons à Rocket League. C'était pour ça parce que j'ai souvent des commentaires dans les vidéos d'autres Street Gear que je fais. Ouh, ça craint. Oh putain. J'ai bien dégagé sur le côté, heureusement. Ouais. C'était pile ou face. Hein. Ouais, close qui vole là. Ouh. Là, hop, petit boost sur les côtés et puis au milieu. Oh merde, je l'ai la merde. Il vous donne le full boost et les autres, ça vous en donne un petit peu. Donc, jamais joué. Ah bah d'ailleurs en parlant Oh il bloque le bâtard. Comment il bloque? Ah oh, bien joué Miko, j'ai même pas vu ce que t'avais fait. Moi j'étais carrément bloqué par l'autre là, comment il s'appelle? Ah ouais je viens de voir ça ouais. Mario de sa touffe là. Tu parlais du boost tout à l'heure Tu parlais du boost. Dans la version solo, on peut régler le boost, la vitesse du boost. Régler. Ouais. Bon, régler la durée, le rechargement. Non, c'est vrai que ce qu'on peut faire, c'est par contre, c'est créer des parties privées comme ça, et puis jouer avec ses potes. Si je veux, on peut se créer des parties privées tous les deux, moi et Miko, si je joue en full boost, je pense. Ouais, c'est possible. Je pense, ouais. Si, si. Donc c'est pas que solo. Allez, cinquième. Miko, ce soir de partie, vous voyez, 4 buts, 5 buts de marqué, 5 buts de Miko. Alors là, il y a les statistiques, le score, le ratio, etc. Nombre de tirs, bon, il y a des points aussi qu'on voit pas là. D'habitude, j'ai beaucoup plus. Ça t'es bien, 28 de ping. Ouais, 24, ça passe. Voilà, on va terminer ce petit match, les amis. On va se dire au revoir pour cette vidéo. Oula. Bon, heureusement, on a gagné. Hein. Vas-y, un petit dernier, Bertie. Allez. Et ouais, ben, j'ai pas le temps. Voilà, les amis. Bah, écoute, Mikos, merci. Et bah, de rien. Hein. À très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao. Ça marche.